Waouh! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nuance Reborn. Je suis content aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et la bonne nouvelle, c'est que 2020 c'est fini. 2020 c'est fini. Enfin 2020. Bye bye. Je salue mes cousins. Ah! Ça, c'est quelle année ça là? Ça, c'est que l'année où on ne comprend pas, on ne comprend rien. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus est là. Jésus est Seigneur. Ah. Dites-moi maintenant en commentaire comment s'est passée l'année. Comment ça a été? Est-ce que malgré tout ce qui s'est passé chez les gens, vous, tout s'est bien passé chez vous? Ou bien vous avez vraiment reçu un gros choc? Ah. Dites-nous tout. Nous allons bientôt entrer en 2021 et j'aimerais vraiment vous dire merci aussi, vraiment merci. Merci pour votre soutien, pour votre temps, pour tout ce que vous nous avez apporté de loin comme de près. Merci à tous les abonnés. Vraiment, merci infiniment. Merci à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse encore. Et que vous donne la force de continuer à faire le bien autour de vous. Ça, c'est une bonne affaire. Aujourd'hui, je suis en joie. Parce que enfin, je vais vous parler. Je vais vous dire vraiment que 2020, c'est fini. Nous entrons dans une nouvelle année. Dans une nouvelle année. Que va-t-il se passer là-bas? Ah, nous, on s'en fout. C'est que tout ce que nous on sait aujourd'hui, c'est que 2020 doit partir avec tous ces problèmes. Ça là, c'est ce que nous tous on sait ici. C'est ce que nous on veut savoir. Ah. Wow. Maintenant, comment comptez-vous terminer cette année? Comment comptez-vous terminer cette année? Est-ce que vous avez prévu manger de la bonne nourriture? Ou avez-vous prévu faire des trucs hors du commun? C'est à vous de réagir en commentaire et de tout me dire aussi. Ici, nous sommes en famille sur Nuance Reborn. Maintenant qu'on voit 2021, que va-t-il se passer là-bas? On parle de tout et de rien. Quand vous regardez 2021, qu'est-ce que va se passer là-bas? En tout cas, ce que je suis, c'est que forcément, il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Tu vas faire beaucoup de choses. Donc, on demeure toujours dans le Seigneur. On remercie le Seigneur, le Dieu vivant. On prie toujours. C'est parce que 2020 est passé, que 2021 est venu, tu n'as plus de problème, tu n'as plus prié. Mon ami, pardon, faut prier. Faut prier, ça va t'arranger souvent. Ça, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. En tout cas, je suis en joie, je suis vraiment en joie, je suis très content. Parce que 2021, c'est l'année de la vie en rose. L'année de la vie en rose. Si tu n'as pas commandé du shawarma, va manger ton shawarma. Si à l'automne tu as mangé du poulet, va manger du poulet. Si à l'automne tu as mangé du poisson, va manger du poisson. Parce que 2021 arrive. Ah! En force et en puissance. La vie de l'homme. La vie de l'homme. Malgré tout ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer durant toute cette nouvelle année. Non, personne ne sait. Personne ne sait ce qui va se passer là-bas. Tout ce que nous savons, c'est que 2021, c'est pas 2020. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est clair. En tout cas, moi, je vous dis que 2021, c'est mon année. 2021, c'est pour moi. Nous sommes encore 2021, mais je vous dis que c'est mon année. Vous devez me croire. Oui. Ah.
nous allons commencer janvier, février puis mars, avril puis mai, juin puis juillet. Ah! On va continuer à avancer. Nous devons toujours garder les commandements de Dieu. Si vous gardez les commandements de Dieu, si vous suivez ce que Dieu vous dit, Dieu va vous donner beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions, en fait des choses qui vont changer votre vie à jamais. Des choses qui vont changer positivement votre vie à jamais. Et la crainte de Dieu, commence à continuer à travailler, travailler dur, n'aimez pas la facilité. Ne cherchez pas à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ne cherchez pas à envier les gens, ça ne sert à rien. Cherchez à vous rapprocher encore plus de Dieu et avancer et vivez votre vie tranquillement. Tranquillement. Il n'y a rien, il n'y a rien. Rien que ça. Mais si Dieu vous localise et vous bénit, si Dieu lui-même a décidé de vous élever et faire des grandes choses avec vous, ça c'est lui qui décide maintenant. Est-ce que oui? Là c'est lui qui décide et qui a décidé de le faire tranquille. Et c'est une bonne affaire. C'est parce que c'est une bonne affaire qu'il a décidé de le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Waouh! Merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. J'aimerais vraiment vous remercier aussi pour vos dons. Vraiment, c'est gentil. C'est rare de voir des gens comme ça qui ne vous connaissent pas physiquement, qui ne sont pas proches de vous, qui viennent faire des dons pour vous soutenir. C'est vraiment, 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 vraiment rare. Merci encore, frère. Merci. Même si moi-même, je fais beaucoup de dons dans la vie réelle, je fais beaucoup de dons. Ça me fait plus de comment on va dire. Ça me donne beaucoup plus de émotion lorsque on me fait les dons. Moi-même, je fais les dons, hein. Mais quand on me fait les dons, je suis là, je regarde les gens. Ah, comment c'est possible? Comment ça puisse m'arriver à moi? Non, Seigneur, pourquoi? Ah! C'est bizarre! Après, c'est rien un peu. Ah! Rien un peu, amusez-vous! Mais en étant vraiment sage, soyez sage! Très, très sage! Sage de ce monsieur! Sage! Voilà! Voici ce que j'avais envie de vous dire. 2020, c'est fini! 2020, c'est fini! Et. Bienvenue en 2021. Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus pour vous dire bienvenue en 2021. Bon, on verra ça dans les heures qui viennent. Que Dieu nous guide tellement et que Dieu nous donne la vie et la santé. C'est parti.